Niza manuri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe Waranyejuri si n'inyanja undama mu ishusho yawe nanjye ngundera ngushime warakoze uri mwiza Et quand vous lisez dans le livre de Josué, la Bible dit que toute nation Nous allons louer les soins de Jésus qui nous a libérés. Qui nous donne à exister en ce moment. Nimba twarabohowe twese tujye mu mwuka wo kwiramya haleluya Si nous avons tous été libérés soyons courageux et proclamons à Yesu Kristo à cause du sang de Jésus Reka mbibutse aho twaturutse Je vais vous rappeler d'où nous sommes venus Mu Efeso kabiri umurongo wa 12 aravuga ngo Dans Ephésiens chapitre 2 verset 12 Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo mutandukanyijwe n'ubwisirayeli murabashyitsi mu masezerano y'ibyasezeranijwe ari nta byiringiro mufite by'ibizaba haleluya ngo ahubwo mwari mu isi mudafite imana rurema umva umurongo wa 13 ngo ariko none mais maintenant kuko muri muri Yesu Kristo en Jésus Christ Vous qui étiez jadis éloignés, avez été rapprochés par le sang de Christ. En chantant cette chanson, rappelle-toi d'où tu viens. Alléluia! Chajitabo yaje gushaku wazimie uwo ninjewe wabuwamje yaje gushaku wazimie uwo ninjewe
ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye urubanza ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso ye yanguye Nzogaruka je kukubwira ko yangiriye neza akamizina risha sizashingura ikirenge cyanje nicyo kidendezi cy'amaraso nzashingura ikirenge cyanje nicyo kidendezi cy'amaraso oh haleluya amaraso ya Yesu yanguye urubanza Yemera kubumbura cyagitsaho yaje gushaka wazimbiye uwo ni njyewe wamubambiye yaje gushaka wazimbiye uwo ni wowe haleluya uwo ni njyewe amaraso amaraso komba oya ahubwo ndi ikimana ishaka komba cyo yaminduje amaraso ye yaminduye izina amirinde yaminduje amaraso ye yaminduye izina amirinde Yego yaminduje amaraso ye yaminduye izina amirindisha umva benshi bari baziko nkiri wa wundi oya bandi bari baziko ngikora ibya kera reka mbabwire narahindutse yaminduye izina amirindi reka mbabwire narahindutse yaminduye izina amirindi dusubiremo reka mbabwire narahindutse yaminduye izina amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu yanguye urubanza yanguye urubanza
Hallelujah. Hallelujah. Reka duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Mufasha duhe Imana icyubahiro. Hallelujah. Icyubahiro ni cy'Uwiteka. Hallelujah. Reka umwami tumwongere amashi menshi cyane. Hallelujah. Hallelujah. Suza mugenzi wawe. Salut ton voisin. Mubwire ngo Imana ikugushe neza mu ijambo ry'Imana. Sois en paix dans la parole de Dieu. Mvuge ngo amen. Uyu munsi wa none. Aujourd'hui. Hari ibindi Imana yampaye ngo tuganire. Il y a des choses que Dieu a mis en moi pour parler. Ni teme ivuga gushya. C'est un thème qui dit ceci. Placer des pierres comme rappel ou comme souvenir. Ijambo rivuga ngo gushinga amabuye y'urwibutso. Placer des pierres de souvenir ou comme rappel. Usomye mu gitabo cya Yoshua. Et quand vous lisez dans le livre de Josué. Ni igice cya kane. C'est le quatrième chapitre. Umurongo wa kane. Premier verset. Kugeza ku murongo wa karindwi. Jusqu'au septième. Imana ibwira Yoshua isomye ku murongo wa kane rava ngo Yoshua ahamagaza abagabo 12 bari baratoranijwe arababwira ati nimusubire muri Yorodani muje aho isanduku y'Uhoraho Imana yanyu iri. Buri muntu ahakure ibuye aze arihetse ku rutugu yose hamwe abe amabuye 12 ahwanye n'imiryango y'Abisiraheli ko ari 12. Umurongo wa gatandatu. Verset 6. Ayo mabuye azajye abibutsa azayibutsa ibyo Uhoraho yakoreye aha mu bihe bizaza abana banyu nibababaza icyo ayo mabuye asobanura muzabasubize muti atwibutsa ko uruzi rwa Yorodani rwaretse gutemba igihe abari bahetse isanduku y'isezerano y'Uhoraho barwambukaga. Ayo mabuye rero asasha abyibutsa Abisiraheli uko ibihe bihaye ibindi. Muvuge ngo amen. Amen. Mwese cyane. Amen. Iyo usomye muri ubu butumwa buri aha mu gitabo cya Yoshua. Et quand vous lisez cette parole en Josué. Ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu ijambo rishaka kutwigisha. J'aimerais partager trois choses que la parole veut nous enseigner. Icya mbere. La première chose. Barimo batwereka icyo Imana yakoze. On nous montre ce que Dieu a fait. N'ubundi nicyo kizakibanza. Et c'est la chose qui commence toujours. Icya kabiri. La deuxième chose. N'icyo Imana yasabye abantu gukora. Ce que Dieu a demandé aux gens de faire. Icya gatatu. Et la troisième chose. Icyo Imana yashakaga kugira ngo bisobanure. C'est ce que Dieu voulait que ça signifie. La première chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'était pas les forces humaines. C'était la puissance de Dieu seul. Et Dieu dit à Josué, lève-toi et traverse le Jourdain. Josué aurait posé la question, comment allons-nous traverser avec les vieux, les vieillards et les vieilles mamans? Et c'était différent de comment ils avaient traversé la mer rouge. Parce que quand ils ont traversé la mer rouge, Dieu avait tracé le chemin, ils avaient traversé. Et il a instruit à Josué de prendre l'arche sur leurs épaules et traverser.
byari tangazo rikomeye cyane kubwira abasaza bakoranye na Musa bafite experience ngo ngahwe mbarushe mu mazi yuzuye ngo ni mwivoge ritavoge. C'était de grandes choses pour Josué de dire à ce aux âgés de traverser le Jourdain avec l'arche sur leurs épaules. Ariko kubera ko Imana yarabivuze. Mais parce que Dieu l'avait dit et que le peuple d'Israël avait entendu cela, et quand ils ont mis les pieds dans le Jourdain, la Bible nous dit que les eaux se sont coupées. Les eaux se sont coupées et ont laissé un passage. Et quand ils ont vu les pieds des serviteurs, les eaux se sont coupées. Et même les eaux sous la terre se sont séchées. Imaginez les pieds qui font chasser l'eau des deux côtés. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Voici comment Dieu œuvre. Et quand il est là, toute chose s'abaisse. Et quand les eaux se sont coupées, le peuple d'Israël a traversé. Et ils ont traversé miraculeusement. Voici la première chose que Dieu a fait. Dites à ton voisin que Dieu trace un chemin dans le Jourdain. Dieu au ciel trace un chemin là où il n'y a pas de chemin. Si nous sommes ensemble, dites Amen. Dites Alléluia. Qui parmi vous se souvient là où Dieu a tracé un chemin? Levez vos mains si Dieu a tracé un chemin pour vous. Acclamons très fort pour ce Dieu. Oh, hallelujah! Si Dieu ne traçait pas un chemin, je n'aurais pas cru en lui. La raison pour laquelle je crois en Dieu et que je me tiens ferme en lui, c'est parce qu'il fait les choses que mon père ne peut pas faire. Il fait les choses que mon père ne peut pas faire. Je suis un homme qui peut témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis un homme pour témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Dis à ton voisin, Dieu trace un chemin dans le Jourdain. Dieu trace un chemin dans le Jourdain. Dieu trace un chemin dans le Jourdain. Et quand vous lisez dans ce passage, la Bible dit que toutes les nations soient sans crainte, ne crains point. Attends le jour où tu vas traverser le Jourdain. Crois-tu que Dieu travaille comme ta grand-mère? Ta mort, c'est s'éloigner de Dieu, rien que ça. Et ta vie, c'est se tenir ferme juste avec Dieu. Et je vous dis la vérité, quand la Bible nous donne des... Et quand Dieu fait des choses, les choses parlent plus que les mots des gens. Chers chrétiens de Kimisagara, il y a des moments où Dieu parle. Gloire à Dieu. Il y a des moments où Dieu parle. Dieu parle.
Dieu parle. Et quand vous lisez dans le livre de Josué, la Bible dit que toute nation, c'était avant que Josué ne combatte à cause de l'œuvre que Josué avait faite, et toutes les nations sont abaissées. Ne crains point. Un matin, Dieu tracera un chemin dans le Jourdain. Dieu tracera ton Jourdain, un chemin dans le Jourdain. Voici la première œuvre que Dieu a faite. La deuxième chose, quand Dieu avait tracé un chemin dans les eaux du Jourdain, il disait à Josué, j'ai fait ma part, fais ta part, et fais ta part pour les humains. Là où j'ai tracé le chemin, dit les hommes qui représentent les 12 tribus d'Israël, qui n'aillent pas sur la montagne, mais qui descendent de là où les sacrificateurs sont, là où les pierres, qu'ils prennent une pierre, là où les pieds ont traversé, et qu'ils viennent avec les pierres sur leur tête, venant des eaux. Écoutez bien ceci. Qu'ils viennent en portant ces pierres sur leur tête, arrivant sur la montagne, qu'elles soient placées, qu'ils les placent, qu'ils ne posent pas mais qu'ils la placent, qu'ils posent cette pierre. La famille de Judas, la famille de Ruben, la famille de Naphtali. Alors 12 pierres ont été placées. Elles ont été placées. Voici l'œuvre que Dieu avait demandé à Josué. La troisième chose. Et Dieu expliqua la raison pour ces pierres. Il leur disait, ces pierres, je ne veux pas que l'œuvre que j'ai accomplie dans le Jourdain soit oubliée. Que ces pierres puissent parler d'elles-mêmes de génération en génération. Que 8 garçons s'avancent rapidement ici devant. Oui, garçon. Rapidement, s'il vous plaît. Et la raison pour laquelle. Faites une ligne droite en me regardant. Yes, ces pierres qui ont été placées, qu'elles puissent parler d'elles-mêmes de génération en génération. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Les œuvres de l'Éternel. Il a tracé un chemin dans le Jourdain. Là où il n'y avait pas un chemin, il a tracé un chemin. Que ces pierres parlent d'elles-mêmes. Comment est-ce que ces pierres vont-elles parler? Et moi qui suis ici, je suis dans la génération de Josué. Ceux qui ont traversé le Jourdain et ont vu ces choses, moi j'ai placé le chemin. Il y a ceux qui naîtront de moi mais qui n'ont pas vu ces choses. Voici le premier. Quand il sera né, on va marcher et en se promenant, en arrivant sur cette montagne, il verra des pierres.
Il va demander, papa, je vois 12 pierres ici qui ont été placées. Que cela veut dire? Et je vais lui dire, quand tu n'étais pas encore né, quand tu étais dans mes enceintes, on a traversé le chemin alors que Dieu avait tracé le chemin. Et quand toutes les nations ont entendu ces nouvelles, ils ont été émerveillés par notre Dieu. Et comment est-ce que votre Dieu a tracé le chemin? On a traversé, on a mis les pieds dans l'eau. Et les eaux se sont coupées en Dieu. Et cet enfant va répondre, nous avons un Dieu puissant. Ainsi, et tous qui ont vu ces choses passer, mais ils vont laisser ces choses à la prochaine génération. Et celui va engendrer celui-ci. Prends-le sa main. Ils vont se promener, arrivant à cet endroit. Lui dit, papa, quel genre de pierre? Et il va raconter. Moi, je n'étais pas là. Mais papa était ici. Et moi aussi, je lui ai posé la même question. Et il m'a répondu ainsi. Leur Dieu puissant les a fait traverser. Et Lucie, il ne sera plus en vie. Et lui, il va avoir des enfants. En arrivant à ces pierres, il va lui poser la question. Et il va aussi expliquer. Il va passer. Et l'autre va engendrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Dites amen. Il va poser la question sur ces pierres. Et il va donner les nouvelles. Il va passer. Il va engendrer. Il va poser la question sur cette pierre. Et après qu'il ne sera plus, il aura un enfant. Et quand il sera sur ces pierres, il va demander. Et il va expliquer et ne sera plus. Et l'autre, après avoir expliqué, il ne sera plus. Et lui engendra un enfant. Et après, il aura expliqué. Nous mouvons de génération en génération. Nous mouvons de l'écriture avant avance. Mouvons de l'amé. Dites amen. Mouvons de l'amé. Amen. Dites amen. Et chambéry manant yaba bgengo bashingi biti. La première chose, Dieu ne les a pas demandé de placer des arbres. Ibiti bizabibor. Les plantes peuvent pourrir. Peuvent pourrir. Amabouy. Les pierres. Ahora. Sont là pour longtemps. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, quand quelqu'un vous fasse du bien, en principe, en général, on écrit ça sur du sable. Et la mauvaise chose qu'on fait pour nous, on l'écrit sur une pierre. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on oublie facilement la bonté des gens envers nous. Mais la mauvaise chose qu'on nous fait, et l'être humain cache ça dans le cœur et c'est signé, engravé. Mais on doit changer ces choses. Que quand quelqu'un vous fasse du mal, écrivez-la sur du sable pour que ça soit enlevé par l'eau. Et quand la bonté des gens vous sont posées, écrivez-la sur une pierre. Pour cela que veut dire que c'est cela éternellement. C'est là éternellement. Pose la question à ton voisin. Et ce Dieu qui a tracé un chemin dans le Jourdain dans le premier temps, et après ça il a demandé à Josué de placer des pierres, et il a expliqué cela, qu'il explique cela de génération en génération. Est-ce que tu comprends ce principe? Pose la question à ton voisin.
Est-ce que tu comprends ce principe? Voici le cœur de Dieu. Et ceux qui vont travailler ensemble avec l'Éternel, ils doivent respecter ce principe. Et Dieu disait à Noé, pour que tu puisses échapper aux pluies, aux fortes pluies. Il a construit. Je ne vais pas lire. Je vais lire dans Genèse 8, 15 à 21. Noé. Et quand il est sorti, il n'avait plus de voisins, il n'avait plus d'animaux. Ce n'était que lui et les animaux qu'il avait secourus. Il n'a pas vu sa vie comme quelque chose de mérité. Et il a reconnu que c'était la faveur de Dieu. S'il était sorti n'importe comment, disant que les autres étaient païens, que c'est le salaire du péché, moi je suis saint, je suis fidèle, il n'a jamais dit ces choses. Voici ce qu'il a fait. Il a respecté le principe divin. Il a placé une pierre de mémoire, de souvenir. Pour remercier le Seigneur en disant, je vis par toi. Et parce que ma famille est en vie, ce n'est que pour toi. Parce que tu m'as fait du bien, moi et ma famille. Je vais te montrer que mon cœur honore tes principes. Et la Bible nous dit, regardez ce que la Bible dit. Noa yubakira Uhoraho igicaniro, urutambiro. Afata amwe mu maturo yose adahumanya na zimwe mu nyoni zose zidahumanya abitambaho ibitambo bikongorwa n'umuriro kuri urwo rutambiro. Mureke mbabaze yari kwavuga ati Genèse 8:20. Noneho Bibiliya ikavuga ngo Uhoraho yishimira impumuro y'ibyo bitambo maze aribwira ati sinzongera kuvuma ubutaka ukundi kubera umuntu. Nubwo abantu bahorana imigambi mibi kuva bakiri bato, sinzongera kurimbura ibinyabuzima byose kuko nabigenje. Verset 21. Bituma kubera ko uyu mugabo yazirikanye neza y'Imana agakora akubaka igicaniro cishimye. Parce que l'homme a fait attention au désir de Dieu et a bâti l'autel. Je n'oublierai jamais cette chose. Et Dieu a juré parce qu'il a vu la reconnaissance de Noé venant de l'homme qui n'oublie point. J'aimerais te poser cette question. Quand Dieu vous évite, vous épargne la mort, vous épargne les mauvaises choses dans la famille, que faites-vous après ces choses? As-tu été comme Noé? Quel autel de gratitude as-tu placé? J'ai partagé ceci au premier culte. Quand tu te réveilles le matin et que tes jambes fonctionnent, il y a d'autres qui se sont couchés et qui ont été paralysés pendant la nuit. Et quand tu te lèves, rends grâce à Dieu.
umuntu uzahorana ubuzima bwiza azasinduka qui aura une belle vie va se lever le matin comme on est venu ici. Il va bâtir un hôtel de gratitude. Et il va dire, je te remercie Seigneur parce que tu m'as protégé, moi et ma famille. Tu n'es même pas au courant des brigands qui passent la nuit en guettant ta maison. Tu n'es pas au courant des démons qui contournent ta maison le soir. Quand tu t'assis avec ta famille, ta femme et tes enfants, quand ils t'entourent, vous êtes en partage à ceux qui ne font plus ces choses. Et quand les choses vont bien, reconnaissez que la faveur de Dieu. Rappelez-vous de revenir et donner un hôtel d'action de grâce envers Dieu. Remerciez. Et quand vous faites les affaires et que vous voyez que ça fructifie, ne dites pas que vous connaissez bien les maths. Non, ce n'est pas ça. Un homme vaillant et intelligent, c'est les pierres de remerciement. Quand vous avancez, remerciez le Seigneur et placez des pierres quand vous avancez de niveau en niveau. Beaucoup de jeunes hommes et de jeunes filles, Dieu a tracé un chemin dans le Jourdain pour eux parce qu'ils ont levé les mains et ils ont dit, Seigneur, rappelle-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Et Jean-Paul est sorti de ça. Et quand il lève tes mains, Jean-Paul, Christine sort. Et tu ne reviens pas pour remercier la pierre de remerciement. Tu ne t'es pas donné cette personne. Vous vous chérissez et vite, vous oubliez qu'il y a un moment où vous allez placer des pierres de gratitude. Les autres sont sans travail et se sont levés les mains. Et les autres institutions appellent d'autres. Et quand Dieu t'a pointé du doigt, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Observez ces choses. La plupart des choses qu'on arrive à bien faire, ce n'est pas parce qu'on est les meilleurs. Il y a de belles filles qui sont ici parmi nous. Elles sont toujours célibataires. Crois-tu que c'est parce que tu es clair pour et celle qu'on considère la moins jolie? Et ceux qui distinguent à l'université, c'est la faveur de Dieu. Noé disait à Dieu, tu nous as fait de grandes choses. Je n'ai pas échappé à ces choses parce que je le méritais, mais par ta faveur. Les gens avec ce genre de cœur, Dieu les aime. Et remercie le Dieu, n'oublie pas les choses qu'il a fait pour toi. Et Abraham,
aravuka yes aravuka arakura nk'abandi bana il est né il a grandi comme d'autres enfants bukeyimana iramubwira ngo et un jour Dieu lui disa va mu gihugu chaso na nyoko n'umuryango nje kukwereka igihugu zawe quitte tes familles ce qui était familier va dans un pays étranger arasohoka gutya aragenda gutya gusa il est sorti musarira imana ni igitangaza imana yigeze kubwira ravuga ngo nanze Esau kunda Yakobo Vous allez lire dans Genèse 12. C'est là que Dieu a bien expliqué ces choses. Il a trouvé un pays de Cananéens que les gens avaient habité pendant très longues années. Et Dieu lui disait Voici le pays que je vais arracher à ces gens. Et je vais te le donner. As-tu entendu ces choses avant et que ta postérité appartiendra à ce pays. Possédera ce pays. Abraham. Ahubakira imana igicaniro uhora aramubwira ngo iri jambo uvuze ndarishingira ibuye ry'urwibutso et Abraham disa je vais bâtir un hôtel juste pour cette parole qui vient de m'être donnée mureke mbabwire iki kintu muracyankurikiye muvuga ngo amen habe n'isezerano ritarasohora imana yakubwiye nimba ubuzizeye uzuritangira uzurishingira y a-t-il une promesse que Dieu a faite et qui n'est pas encore passée remercier le Seigneur Vous placez la pierre même avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. J'ai donné un témoignage. Une fois, dans la maison, on a prié pour des choses. Un dimanche matin, alors qu'on se préparait pour venir à l'église, aujourd'hui, place un hôtel de gratitude. J'appelais mon enfant et ma femme. On a placé une pierre de gratitude. Parce que ce que Dieu a promis est accompli. C'était un dimanche matin. On a prié, on est rentré. Et vers 17h, l'enfant nous a appelés. Voici les choses qu'on attendait tant. Vous savez pourquoi? Abraham, vous savez pourquoi Dieu s'est tenu ferme sur la parole, la promesse? Je te donnerai le pays et ta postérité possédera ce pays. Et Abraham a posé l'action de grâce. Et même après un moment, quand Dieu revient, il trouve l'action de grâce qui a été posée. Un autre homme intelligent, c'était Jacob. Quand il a quitté son père, elle était sortie à la hâte. C'était endormi sans rien. Il ne dormait pas. Et il s'est endormi. Mais il dit, ne crains point là où tu vas. Je serai avec toi. Et c'était étonné.
posant la question, c'était Dieu qui avait dit ces choses. Il a placé une pierre. Il a oint la pierre. Et si tu fais ces choses, je vais bâtir une maison. Ce sera un endroit que je n'oublierai jamais. Et tout ce que tu me donneras, je viendrai ici donner ma dîme et je proclamerai tes bienfaits. Et quand vous allez lire ces choses, Amen. Genèse 35. Abimelech étant vaincu par Moïse. Dans Exode 17, 12 jusqu'à 16, Moïse montait ses armes, seulement ses bras. Il avait donné un nom à son autel. Chaque fois que vous bâtissez ou placez une pierre de reconnaissance, que Dieu a guéri mes enfants, Dieu a provu, Dieu a accompli sa promesse, que Dieu protège notre pays, que Dieu nous a donné un matin, écris-le. Dans Josué 8, 30 jusqu'à 31, je vais vous montrer. Il bâtit un hôtel. Je n'oublierai jamais la victoire qui nous a été donnée. Gideon. Vous allez lire dans Juges 6, 22 jusqu'à 24. Et Dieu est venu nous conforter. Et Jésus nous a donné un hôtel. Matthieu 5. On doit donner un hôtel d'action de grâce. Seulement ne viens pas quelque chose contre ton voisin. Les leçons tirées de ce passage. Évitons chaque fois d'oublier les œuvres de Dieu. Dis à ton voisin, n'oublie pas les choses que Dieu a fait dans ta famille. Quand vous ne vous rappelez pas, vous oubliez. Et la deuxième leçon, plaçons des pierres
de rappel dans nos vies, dans nos familles, dans l'église et dans le pays. Vous voyez les hôtels qu'on a dans notre maison, les hôtels qu'on a dans nos maisons. Une des choses très importantes que vous devez faire régulièrement, c'est l'autel de reconnaissance, de rappel de ce que les choses que Dieu a fait. Parce que toi, tu ne seras plus, ils resteront. Il y a certains parents qui montrent à leurs enfants qu'ils sont importants. Montre-les que le Dieu qui est en toi est important. Et même quand tu n'es plus, le Dieu qui était en toi demeurera avec eux. Alors, placez des autels de reconnaissance dans vos maisons. Et chaque pierre que vous placez, donnez un nom à chaque pierre que vous placez. La dernière chose, placer un hôtel de rappel vous cause la main de l'Éternel de continuer à se manifester dans vos vies. L'ingratitude. J'étais assis avec un homme, il m'a dit, il lui a envoyé une somme d'argent, et après quand il a eu cet argent, il a mis cet argent dans une poche. Et il n'a jamais dit merci. Il n'a jamais accusé réception, rien. Et après, cet homme qu'il avait tant demandé, il n'a jamais dit qu'il avait reçu l'argent ou qu'il a dit merci. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il essaie de me demander l'argent encore une fois. Il ne verra plus mon argent. Et juste parce qu'il n'a pas dit merci. Voici le problème qu'on a. Il te donne et tu gardes. Thank you, Jesus. Et tu ne reviens jamais pour dire merci Seigneur. Et il se dit, laisse-le venir encore une fois. Et quand Dieu il a guéri le lépreux, les neuf sont partis et un seul est revenu. Imana yakugabiye uibare usige numwe eregani myinshi yo gutangaza turasubira hagati tumara tusenge biba iyo migisha nona Tu
arabakurushije amajambere ariko aya Yesu niyahebuje erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabubara nuko humura Cette chose. On commence à compter ces choses, les bénédictions, l'argent que Dieu nous a donné. Watwibukije ko tugomba kuzirikana imza wadukoreye kugira ngo tugaruke dushinga amabuye y'urwibutso aba mama bose baraha aba papa bose baraha abahungu n'abakobwa enge ala boshene merea utwibutse mana nitugera mu ngo zacu tubanza turebe ibyo wakoreye abana bacu turebe ibyo wakoreye abadame bacu abagabo bacu turebe ibyo wakoreye itorero turebe nibyo bakoreye igihugu maze mana yo mwijoro tugaruke akanwa kacu n'imitima yacu yuzura mashine twubaka ibicanero dushinga amabuye y'urwibutso kugira ngo nawe uri mwijoro umenye kutakoreye abantu batagira umutima ushima uzumenya kwakoreye abagabo n'abagore bazirikana ibyo bakoze igihugu cyacu waragikoreye u Rwanda rwacu wakoze imirimo ikomeye abanyarwanda kuye kure imiryango yacu wayivanye kure itorero rya Kimisagara ndibuka mana imirimo wakoze muri iri torero kemere arababa ayarabashanaraba hari igihe twageze bamwe bareba iburyo abandi bareba ibumoso abandi bareba hejuru abandi bareba hasi umuvurira wavuze mu itorero shitana hagira ngo yivuze sinzibagirwa mwami we sinzibagirwa Yesu we sinzibagirwa kenge araba charabana kenge araba shenmeria oh araba shenmeria hari nabandi bagifite ibibazo hano ndasabira buri mu Kristo wese ukiri mu butayu ugikomerewe mana we kora ibikomeye kugira ngo bashinge amabuye y'urwibutso ruhura imitima y'abana ba ruhura imitima y'abamama baraha ruhura abarara bakuririra ku manywa na nijoro we waciye inyanja itukura ugaca mu nzira Yorodani ugaca mu nzira cinzira 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 mu izina rya Yesu Chinzira wa musozi we wiyitiki bimera y'ubwoko bw'Imana hinduka ikibaya mu izina rya Yesu kugira ngo abana bawe bazatazire abana bawe bazavuga imirimo ikomeye abana bawe bazahamye abana bawe bazubaka ibicaniro heya heya la bonde heya la kashana Chinzira, chinzira, chinzira mana, chinzira mana, chinzira nyagasa.
chinzira, chinzira mwami Yesu we. Urakoze ko guhera ku cumweru tuzakira abantu benshi hano. Kandi tuzatuye tubyizeye. Bazaba bashe guhagarara hano. Bameze nka Aburahamu, bameze nka Yakobo, bameze nka Isaka, bameze nka Noa. Baje gushinga amabuye y'urwibutso ku nyanja ya Yorodani uzaba waciyemo kabiri. Icyubahiro n'ishimwe kuratwa no guhimbazwa bibi byaha none n'iteka ryose. Ya Yesu Kristo. Amen. Amen.